Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans un nouveau numéro du Winamax Football Club. On est là comme du mardi au dimanche à 20h15 pour vous parler ballon et betting. Vendredi, veille du week-end, veille de grands rendez-vous football ce week-end, aussi sur Winamax TV. On fera le classico demain entre le Real Madrid et le Barça, mais là on est là pour vous offrir des bons coups à tenter pour ce week-end. Et le vendredi, des fois, on aime bien avoir des petits interviews, des petits invités. Ça sera le cas aujourd'hui. On sera en direct dans quelques secondes, dans quelques minutes avec l'attaquant de la Fiorentina, l'attaquant ivoirien Christian Kouamé, qui sera là pour plusieurs minutes avec nous pour parler Serie A, pour parler de lui, pour parler de plein de choses, de Ribéry, de l'Olympique de Marseille également. Mes deux titulaires du soir, Sofianzo, oui, ça va Sofianzo ? Salut à toutes et salut à tous. Très content de vous retrouver. Voilà, ah, après ouais. Cette petite pause d'un jour, puisqu'on n'était pas là hier. Et j'aime beaucoup ta veste K2000. Voilà, je tenais à te le dire. K2000 ça, ouais, ça me fait penser à K2000. Tu te rappelles de K2000? Ouais. Ça, c'est pour les mecs over 30. Voilà. Ouais, c'est une veste à la virgule. Ouais, tu sais, c'était incroyable. Cette série était folle. C'était pas mal. Folle. La voiture qui parle. Effectivement. Voilà. Comme Cars. On a tous rêvé que le daron ait la voiture. Ah ouais, mais c'est qui a jamais rêvé que le daron se ramène un jour et dise « Allez, fils, j'ai la K2000. Monte ». C'est quitte, regarde, fais-toi plaisir. Ça va, Tidiani ? Bah, très bien, quelle semaine. Ouais. C'est un petit peu le répit ce soir, mais dès demain, même dès ce soir, on peut dire que ça repart fort, mais demain, c'est vrai, le classique, la Ligue 1 qui va reprendre ses droits avec ce mano à mano entre les quatre équipes du top. Bah, ça va commencer ce soir avec Metz-Lille. C'est vrai que le classique, ça sera dans le Winamax FC avec... Mais pas que... Il y a City Leeds. Oui, ouais. Non, mais. Il y a Tottenham, Sofiane, Manchester United. Sofiane, ouais. Je parle de ce qu'on va faire à l'antenne. Ça s'appelle du teasing. Ouais. Eh oui. Mm-hmm. Un jour, Oui, très bien. Et avec Yanis et Elton Mokolo. Voilà. D'accord. Ça va être sympa de ce classico avec Elton. Je pense que ça va être sympa. Mm-hmm. On salue tous les Winamis qui vont nous rejoindre. Stade Foot, bonsoir, mes petits poussins, pourquoi pas. Oui, Maël Larcher, salut les gars. Salut tout le monde. Valentin Franck, yo la team. On vous salue à tous, amis et fidèles du Winamax FC. Le sommaire. De l'émission. Avec donc, on vous l'a dit, Christian Kouamé, notre invité qui sera là dans quelques secondes, attaquant de la Fiorentina, qui sera avec nous. On va parler Serie A, on va parler plein d'autres choses. Avec Christian, Paris-Bayern, c'est dans 4 jours. Quelle équipe des deux va le mieux bricoler? Parce que, surtout d'un côté, il y a de plus en plus d'absents. Surtout côté Bayern, on verra côté parisien. Il y a aussi Marquinhos, il y a quand même un gros doute sur la présence du défenseur brésilien. Même Verratti, un petit doute. Mais ça devrait le faire, mais il y a un petit doute quand même. Dans quel état, on verra. Ouais, ouais. Tour d'Europe, les quoi tenter, tu l'as dit, on parlera du Classico, il y a City Leeds, il y a des gros matchs aussi en équipe de France, enfin en équipe de France, dans le championnat de France, pardon. Mais voilà, les quoi tenter de nos consultants sur les gros matchs du week-end et on terminera par un Cop Winamax spécial Fiorentina avec la suite du Tidiani Gate. Voilà, le communiqué a été rédigé. Ah oui. Les bandes ont été revues, analysées, décortiquées. J'étais à deux doigts de la mise à pied, de ne pas être présent ce soir. Mais j'avais besoin d'être là, d'une part pour assumer et d'autre part pour expliquer. Et ben voilà, il y aura un petit peu la parole aussi également à Sofiane. Voilà pour le sommaire de ce WFC. Et on va foncer tout de suite dans la causerie avec nos invités. On y va. Et dans quelques secondes, Christian Kouamé, l'attaquant de la Fiorentina, sera avec nous pour répondre aux questions du Winamax FC. Vous le voyez dans le sommaire. Alors juste avant de l'accueillir, on va regarder un petit peu la fiche technique. On appelle ça comme ça, c'est la fiche technique. La Fio qui joue face à l'Atalanta ce week-end. Et oui, gros match ce week-end. On va regarder un peu le parcours de notre invité, les clubs par lesquels il est passé. Club actuel, donc forcément, il joue à la Fiorentina, qui est un peu dans le bas du classement. On a été inquiet pendant un moment. Non, mais c'est un club déjà qui est habitué aux irrégularités sur les dernières saisons quand même. Mmh. Même si on l'a connu en Ligue des Champions, dans le groupe de Lyon d'ailleurs, aussi, il y a quelques années. Mais voilà, il y a eu deux changements de coach dans la saison, donc c'est plutôt difficile. Mais ils sont loin quand même de la relégation, ça va. Christian, qu'on a vu éclore au Genoa, on en parlera de son passage au Genoa. Vous voyez ses stats et 3 sélections avec la Côte d'Ivoire. Merci la régie pour le parcours. Et on va accueillir sans plus tarder notre invité du jour, notre invité exceptionnel du Winamax Football Club. Alors la connexion est impeccable. On n'a jamais eu un invité avec une qualité d'image aussi propre. Christian Kouamé est avec nous. Salut Christian. Salut.
Merci beaucoup d'être dans le Winamax Football Club. On le répète à chaque fois qu'on a un invité, mais c'est grâce à des invités comme toi, Christian, que le Winamax FC continue de grandir. Alors, question basique, mais dans cette période, on la pose forcément à chaque fois. Comment ça va, Christian? Comment ça se passe, la vie en Italie? Bah, ça va très bien. Il faut dire que ça fait 8 ans que je suis en Italie et en tout cas, ça va très bien. Ça va. Bah, écoute, un grand sourire pour Christian. Est-ce que tu arriverais à poser ton téléphone? Essayer de ne pas bouger parce que sinon, je pense que nos Winamis vont avoir le mal de mer. Alors, on l'a dit, tu joues donc à la Fiorentina. Et ce qui est, entre guillemets, curieux quand on regarde ton parcours, c'est que tu as quasiment connu que l'Italie. Raconte-nous un peu comment s'est passé ton arrivée en Italie, comment tes débuts dans le football ont eu lieu en Italie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix de l'Italie? Bah, c'est pas que j'ai eu le choix, c'est que j'avais fait un test et il y avait seulement des recruteurs italiens. Du coup, c'est grâce à eux que je suis arrivé en Italie, en Europe. Et depuis là, je suis jamais sorti de l'Italie. D'accord. Donc c'est un peu comme la deuxième maison, quoi. D'accord, ça fait plusieurs années que tu es en Italie. Alors, dans les Primavera, passé par Sassuolo et l'Inter, notamment avec les jeunes. Justement, comment tu as vécu cette formation en Italie? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, tu penses, de faire toute ta formation dans ce pays de football, on peut le dire comme ça, l'Italie? Voilà, qu'est-ce que tu retiens de ta formation en Italie dans ces gros clubs, notamment l'Inter? En tout cas, l'Italie, c'est un jeu que si tu connais pas, si tu arrives de l'extérieur et que tu arrives en Italie, ça sera un peu compliqué. Mais quand tu grandis ici, tu comprends que ici ça demande beaucoup de tactique. Mais après, ça commence à jouer et tout. Et il faut vraiment regarder ceux qui sont devant toi et chercher à apprendre rapidement, en fait. Et ça a été ma force parce que quand je suis arrivé, moi, je savais rien de la tactique. Parce que je suis arrivé directement de la Côte d'Ivoire, arrivé en Italie ici, je comprenais rien de la tactique et tout. Et je regardais ceux qui étaient devant moi. Et comme c'est un peu, j'ai commencé à apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis arrivé en Serie A avec le travail et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et avec les jeunes, c'était pas facile parce que j'étais arrivé, je comprenais pas la langue. Il fallait d'abord apprendre la langue et faire beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices et tout ça. Et au final, en tout cas, il faut dire que j'ai vraiment appris quand j'étais en troisième division avec Prato, parce que là-bas, il y avait de grandes personnes devant moi et ça faisait que j'ai beaucoup appris. Et salut Christian, Sofiane, je voulais te demander, parce que t'es passé de série C à série B à série A assez vite finalement. Même si tu dis que tu comprenais rien à la tactique, tu as quand même gravi les échelons rapidement. Je voulais savoir comment le jeu était dans les divisions inférieures italiennes. Est-ce que ça découpait? Est-ce que tu as eu du mal à t'en sortir au début? Bah, au début, j'arrivais pas. Au début, j'arrivais pas. Parce que quand je suis arrivé d'abord, même j'ai joué en excellence en Italie. C'est-à-dire, même pas la 4e division, c'était la 5e division. Et là-bas, c'est là-bas que tout a commencé, en fait, parce que là-bas, je commençais à apprendre le championnat italien. Et un peu, ça a commencé à aller. J'avais commencé à m'adapter. Après, je suis allé à Sassuolo avec la Primavera. Je suis revenu à Prato. Et à Prato, c'était difficile dans les débuts parce que le coach me demandait des trucs que je n'arrivais pas à comprendre dans les débuts. Mais après, quand j'ai commencé à comprendre, ça a commencé à aller et tout. Et je suis allé en Primavera avec l'Inter en prêt. Et de là-bas, moi j'attendais, je pensais que j'allais rester là-bas, mais c'était pas ça. Et du coup, je suis allé en Serie B. Et en Serie B, avec le coach de Venturato en Serie B, vraiment avec lui, ça a été vraiment, vraiment, vraiment facile. Parce qu'il me demandait des trucs et il m'expliquait mieux. Et avec lui, ça faisait que le courant il passait. Et tout ce qu'il me demandait, j'arrivais à le faire, en fait. Donc, avec lui, ça a été magnifique.
D'accord. Et du coup, pour ta première saison en Serie A, on t'a vu éclore sous le maillot du Genoa, ouais, avec un attaquant qu'on connaît tous, qui a été excellent il y a quelques saisons. C'est Piontek. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça marchait cette doublette? Qu'est-ce que tu retiens de ta saison avec Piontek? Qu'est-ce qui t'a apporté? Avec lui, on s'entendait beaucoup. Parce que le coach il nous demandait de jouer sur les contre-attaques. Et moi, j'étais rapide. Ça faisait que moi, je lui ouvrais les espaces et tout. Et lui, comme c'était un Rena de Suva, c'était un tueur. Et ça faisait qu'on se comprenait. Et moi, je lui ouvrais les espaces. Et lui, après... En fait, moi, je lui... quand je lui ouvrais les espaces, et lui, il était là, et le ballon, il arrivait, et ça faisait que il était bien, et il marquait, et ça faisait que on s'entendait super bien. En tout cas, avec lui, parce qu'on a fait 6 mois, ensemble, et les 6 mois, j'étais vraiment bien avec lui. Ou bien évidemment, tous ceux qui sont sur les chats, on voit notre ami qui s'appelle Tuj Daddy, on peut lui poser des questions. Vous pouvez bien évidemment poser toutes les questions que vous voulez à Christian Kouamé, l'attaquant de la Fiorentina. Tidiani, est-ce que tu as une question? Parce que Piontek et Kouamé, là, même si c'était 6 mois, j'ai l'impression que ça a duré 2 ans. et c'était assez impressionnant. Et d'ailleurs, Piontek, après, a moins performé. Tu sentais que les deux, là, dans un duo d'attaquants, c'est rare d'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Et là, on parlera de la FIO après. Les rares fois où il a été plutôt bien, moi j'ai trouvé à la FIO, c'est quand il était en duo d'attaquants aussi avec Vlahovic ou avec Franck Ribéry. Ce que nous dit Maël Larcher, ouais, cette saison, qu'il nous parle de Ribéry, de Vlahovic, on en parlera des joueurs de la FIO. Alors, au Genoa, bizarre, donc tu fais ta meilleure saison 2019-2020, mais il y a cette blessure, Christian, qui va t'écarter longtemps des terrains. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on regarde ton jeune parcours, hein, que c'est un peu un déclic. Dans ton début de carrière, cette grosse blessure au genou, et que tu as du mal un peu à retrouver peut-être tes sensations, du moins dans les statistiques, à enchaîner, etc. Comment tu as vécu ce moment de ta grave blessure? Le moment de ma grave blessure, c'est vrai, c'est quand t'as ce genre de blessure là, tu penses à comment je vais revenir, est-ce que ça va se faire comme quand j'étais avant et tout ça. Et ça faisait que quand je suis revenu, je pensais que j'étais à 100%, mais c'était pas le cas en fait, parce que il fallait je devais vraiment suivre d'être à 100%, mais dans ma tête moi je pensais être à 100%, mais quand j'allais sur le terrain c'était pas ça en fait, et ça faisait que après ça s'est vu, ça se voyait sur les performances et tout, parce que j'arrivais pas à être celui que j'étais quand j'étais à Gênes l'année dernière. Mmh. Et là, ça commence à aller. Là, je commence à me sentir bien. Et il faut seulement que je reprenne cette confiance-là. Il faut que je reprenne cette confiance que j'avais quand j'étais à Gênes en début de saison de l'année dernière. Ouais, je sais que ça va venir. Parce que sur ton début de saison, Christian, avant la blessure avec le Genoa, c'est 5 buts et 3 passes décisives en 11 journées. Et après, c'est les croisés. Voilà. Ouais. Et quand tu dis que tu es revenu trop vite, c'est que tu avais quand même... Tu sentais une gêne dans le genou, tu étais blessé ou c'est comme... Pourquoi Non. Non, en fait, c'est comme si moi, quand on me demandait, je me sentais bien en fait. Je me sentais bien... Mais quand j'allais jouer, c'était pas ça en fait, parce que j'étais pas le même Christian. J'étais pas le même Christian de Genoa. D'accord. Ouais, bonsoir Christian, moi je voulais te poser une question très simple parce que on te découvre encore un petit peu tout du moins en France et on a évoqué notamment ta complicité avec Piontek. Dans quel système, dans quel registre tu te sens le mieux, toi, quand tu es sur le terrain? Est-ce que c'est plutôt avec un rôle d'attaquant? Est-ce que c'est plus un rôle de milieu offensif? Est-ce que c'est plus dans une équipe qui joue le contre, dans une équipe qui joue en possession? Quel est le cadre dans lequel, toi, tu te sens le mieux? Après, il faut dire que moi, je me suis toujours bien trouvé quand on jouait à deux devant, c'est-à-dire à l'attaquant de pointe, et moi, je joue en soutien. Genre un deuxième attaquant en fait. Et j'aime avoir de l'espace, c'est-à-dire
jouer en soutien de l'avant-centre, en fait. C'est-à-dire, lui, il est là, et moi, je suis là. J'aime la liberté de me promener, ça, que ce soit d'aller à gauche, à droite. Comme ça, au moins, là, j'essaie de lui créer des espaces. Et après, on essaie de combiner ensemble, quoi. Et justement, par rapport à... Tu parles de liberté. Et quand on parle de liberté et des notions tactiques en Italie, généralement, ça peut être un petit peu contradictoire. Est-ce que tu arrives, en plus, toi, avec la culture italienne que tu as eue footballistiquement, est-ce que tu arrives à trouver de la liberté dans les équipes dans lesquelles tu joues, et notamment là aujourd'hui à la Fiorentina? Bah, à la Fiorentina, ça dépend toujours de comment l'entraîneur veut m'utiliser, en fait. Parce que si l'entraîneur il me dit on joue avec deux attaquants, et moi ça me permet d'avoir plus d'espace. Et quand je joue par exemple avec Franck, c'est quelqu'un qui aime la liberté et tout. Et donc, ce que Franck il fait, moi je peux pas le faire. Et quand je joue avec Franck par exemple, l'entraîneur me demande de rester en avant-centre. Et quand je suis en avant-centre, mon rendement il n'est pas pareil que quand je suis avec un autre attaquant. Mmh. Tu parlais de Franck Ribéry, forcément joueur de la Fiorentina. On va, pour juste avant de terminer, parler de la Fiorentina. Raconte-nous un peu la saison de la Fiorentina. Alors, on voyait une question tout à l'heure de notre ami sur Twitch, Pablito, qui nous dit pourquoi la Fio est autant irrégulière ces dernières saisons, même cette année, hein, en fonction de quelques matchs. Ça peut faire de bons résultats comme de moins bons face à des équipes ne serait-ce que moins placées. Comment tu expliques cette irrégularité dans ce grand club qui est la Fiorentina depuis qu'il est arrivé? Je ne saurais pas l'expliquer parfaitement, mais après, il faut dire que c'est le foot, parce que quand tu vas sur le terrain, c'est pas comme si t'as une équipe faible. Tu ne peux pas dire que l'équipe elle est faible, parce que vous partez, vous avez les mêmes forces. Vous allez là-bas, vous jouez, elle joue à 100%, toi aussi tu joues à 100%. Maintenant, après, il arrive que tu perds des matchs et tout, mais en tout cas, quand nous on va sur le terrain, on cherche toujours de donner le maximum. Après, ça arrive qu'on perde le match. Et donc là, je ne saurais pas expliquer. Alors justement, on va en parler de Franck Ribéry. C'était un transfert qui nous avait surpris il y a quelques saisons de Franck Ribéry à la Fiorentina. Quel joueur, quel homme tu as découvert, Christian, là-bas? Est-ce que tu es celui qu'on a tous appris à connaître avec l'équipe de France, avec le Bayern Munich, celui qu'on voyait un peu chambreur, fantasque, sûr en dehors des terrains? C'est, voilà, raconte-nous un peu la vie de Franck Ribéry à France. Franck, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je l'appelle grand frère, parce que c'est quelqu'un que j'avais l'habitude de regarder à la télévision. Et me retrouver dans le vestiaire avec lui, jouer avec lui, pour moi, c'est vraiment un réel plaisir, en fait. Et toujours, je lui dis ça. Je lui dis, parce que quand je me rappelle encore la finale de 2012, de la Champions League 2012, qu'il a joué contre Chelsea, et moi j'étais encore au pays, j'étais encore en Côte d'Ivoire, que j'ai regardé la finale à la télévision et me retrouver des années après à jouer avec lui, c'est vraiment un immense plaisir pour moi. Et Franck, c'est quelqu'un de vraiment bien, c'est quelqu'un de très gentil, qui essaie toujours de nous aider, nous les plus jeunes, qui essaie toujours de chambrer, de rigoler, même quand ça va pas, il nous dit non, restez calme, ça va aller. En tout cas, il essaie de créer un groupe, en fait, et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Ah, Franck Ribéry, forcément, on a tous des... Ah oui, oui. T'as des questions, Sofiane, sur la FIO, même sur notre ami Francky? Franck Ribéry, qu'on aimerait... Non, parce qu'il a assez répondu. Il y a eu les deux changements de coach aussi dans la saison. Ils ont commencé avec Iachini. Après, Prandelli est parti. Iachini est revenu. Donc, c'est le coach actuel. Mais ça aussi, ça doit jouer. On parlait des irrégularités de la Fiorentina. Quand tu changes trois fois de coach, mais que t'as le même qui revient... C'est difficile pour Christian de parler de ça. Donc, je peux comprendre totalement. Mais juste par rapport à Prandelli, c'est vrai que son départ... sans te demander les causes et tout, c'est pas ça la question, mais c'est vrai qu'il a fait un communiqué qui a été diffusé largement sur les réseaux sociaux pour expliquer en gros qu'il n'en pouvait plus de coacher. C'était pas forcément lié à la FIO. Raccroché. Ah bon, voilà. C'était peut-être ma question. On va le rappeler, c'est le direct. Il avait pas envie de te parler, Sofiane. On était en direct.
avec Christian Kwame, l'attaquant de la Fiorentina. Il a dit oula, c'est la merde. Là. Vraiment, ça n'a pas coupé quand on parlait de Franck Ribéry. Est-ce qu'il est de retour, Christian? Voilà, il est là, il est avec nous. Ouais, je sais que tu voulais pas parler à Sofiane, mais quand même, hein, t'abuses un peu de raccrocher quand Sofiane parle. Mais bon, c'est... Christian, par rapport au départ de Prandelli, comment ça a été vécu dans le groupe chez vous? Parce qu'en tout cas, ça fait pas mal de bruit par rapport à son communiqué. Non, après, ça surprend tout le monde parce que après le match contre le Milan, il y avait les internationaux qui sont partis en équipe nationale. C'est le télétravail, ça. C'est le télétravail, je connais, t'inquiète pas, je connais. Et le jour même, moi j'étais parti au terrain parce qu'on n'avait pas d'entraînement. J'étais parti là-bas parce que je continue la musculation pour mon genou et tout. Donc je suis parti pour mes exercices et tout. J'avais même vu le coach, mais on n'avait pas parlé. Et à midi, j'arrive à la maison, je vois une image dans le groupe WhatsApp de l'équipe qui dit non, que le coach, il a démissionné. Au début, moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. Parce que j'ai vu, après, je suis parti regarder sur les sites et tout, je commence à voir que ça commence à être sur rue. Mais vraiment, vraiment, personnellement, on n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il a démissionné. Mais après, on peut pas rester là à discuter en fait, parce que lui il a ses raisons et il a ses raisons que nous on peut pas savoir. Donc après on a accepté et le coach Yakini, il est arrivé, il faut travailler parce que là on a 9 matchs qui nous restent. On peut pas rester là à penser à ce qui s'est passé avant. On doit penser au futur et chercher à avoir plus de points pour pouvoir se maintenir le plus rapidement possible. Et après, on parlera de ça après. Mais pour le moment, le plus important, c'est d'assurer le maintien. Christian, dernière question. Elle revient souvent, cette question. On a vu ton nom circuler dans plusieurs clubs cet été. Et parmi eux, un club français, c'était l'Olympique de Marseille. Deux questions. En une, est-ce que ces discussions avec l'Olympique de Marseille étaient fondées? Est-ce qu'elles étaient réelles? Est-ce qu'il y avait un intérêt de l'Olympique de Marseille, de Pablo Longoria et son board à ton égard? Et est-ce que venir jouer dans le championnat de France t'intéresserait? Est-ce qu'il y a des clubs qui t'intéresseraient? Fais gaffe à ce que tu dis. Dans le championnat de... Non, fais pas gaffe. Dis ce que tu as sur le cœur, Christian. Ah, comme toujours, je dis toujours, pour le moment, je suis à la FIO. Bien sûr. Et je pense à la FIO. Et maintenant, après le mercato, c'est ça on verra après. Mais pour le moment, là, c'est d'assurer le maintien. Je pense seulement qu'à la Fiorentina. Après, pour dire que Marseille, et tout ce que moi, j'ai lu et tout, mais mon agent, il m'a rien dit de ça. Du coup, je ne peux pas vous confirmer si c'était vrai ou pas. Mais pour le moment, le plus important pour moi, c'est la FIO. Merci pour ta réponse de footballeur, Christian. Mais est-ce que l'Olympique de Marseille, ça fait partie de ces clubs dans lesquels tu aimerais évoluer? Après, moi, je dis toujours, Marseille, c'est un grand club en France, parce que c'est un club que j'ai commencé à supporter grâce à Didier Drogba, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de grand dans le pays, à la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il a fait pour le football ivoirien. Donc, Marseille, c'est vraiment un grand club que j'admire beaucoup. Mais après, comme on dit toujours dans le foot, on sait jamais. On sait jamais. Bon, c'était une réponse de footballeur un peu customisée sur la fin. On a réussi à sortir quelque chose. Mais c'est normal. Attends. C'est déjà ça. Merci Christian. Merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous dans le Winamax Football Club. Prends soin du petit, il est en train de te mettre des jouets dans la gueule là. Donc prends bien soin du petit. Merci beaucoup Christian. On te souhaite une bonne saison avec la FIO et prends soin de toi. Salut mon ami. Christian Kwame, l'attaquant de la Fiorentina, qui était en direct. Très, très fort sur Football Manager. C'est vrai qu'on ne lui a pas posé la question de football. Mais je t'ai dit, la blessure, c'est terrible. Parce qu'avant, petite bombe, là, il était sur une saison qui allait se lancer, qui aurait pu être extraordinaire. Mais il va revenir. Je pense que ça va être un très bon dans les deux prochaines années. Eh bien, on va suivre ça attentivement. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des acteurs. Beaucoup de Serie A. Hein. Beaucoup de Serie A, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. S'il y a des gens... On doit aller en Espagne, mais bon... Pour le moment, ça on attend. Il nous emmerde un peu, sous prétexte qu'ils prennent 2-0 contre Manchester. Mais bon, on devrait y aller en Espagne, promis. Mais pour le coup, quand on va y aller, on n'y va pas pour faire semblant. Ah bah. Ce sera un gros dispositif. On est sur un gros morceau. Ah oui. On est sur un gros morceau du championnat. Et merci à ceux qui ont participé, les amis. Merci beaucoup pour vos questions.
On va repasser au terrain, au football, avec la Ligue des Champions. Forcément, on est obligé, là. On est excité, surtout lui. Là. Non, vrai, mais... Ça fait deux jours qu'il vit en caleçon, lui. Ah oui, mais moi, ça m'excite. Paris-Bayern, je te dirais pourquoi ça m'a transporté au-delà du score. Je te jure, ça m'a fait du bien. Je sais pas si vouloir savoir pourquoi, mais bon. Bah, je vais te le dire quand même. Allez, place au terrain, on va parler de Paris-Bayern. J-4, on y va. Paris-Bayern, J-4, 3-2 pour Paris au match aller. Pour ceux qui veulent revoir le débrief du Winamax FC, c'est disponible sur la chaîne YouTube. Alors, il y avait des absents au match aller et ça s'accumule. Surtout côté bavarois avec Zoule, on sait qu'il ne sera pas là. Goretzka, c'est limite. Kimmich, presque incertain, mais bon, ça devrait le faire. Lucas Hernandez, Lewandowski, qui est pas sûr de... Bon, Lewandowski. Gnabry. On le savait, Gnabry ne sera pas là à cause du protocole, mais parce que le protocole est plus long en Allemagne. Donc voilà, ça va être mort pour ce genre. Après, bon, s'il passe un test d'ici là, qu'il est... Mais normalement, le protocole, c'est le protocole. Non, je normalement, pense que Gnabry ils ont beaucoup... Et forfait. Alors voilà, on a titré « Qui va le mieux bricoler entre Paris et Bayern ?» Alors on va surtout parler, en début, du Bayern Munich. Alors on va préparer une petite compo. On s'amuse à faire les Hansi Flick. Tout à l'heure, Tidiani, je vais te donner la parole. Ça, c'est le 11. Alors, pas que tu aimerais voir, mais tu penses que Hansi Flick va se diriger vers cette composition d'équipe face au Paris Saint-Germain? Bah, parce qu'on a mis Lucas out. Hein. Mais même si oui, on a mis Lucas Hernandez peut-être out. Ouais. Disons que c'est une composition d'équipe qui prend en compte à la fois les forfaits actés et les incertitudes. Et pour aller vraiment dans le vif du sujet... On va surtout être sur la base arrière, c'est-à-dire les 6, parce que tu peux partir du principe que devant, Flick, il n'a pas de marge de manœuvre. Ah, il va être obligé de remettre les 4 mêmes, quasiment obligatoirement. Alors après, peut-être qu'il peut leur demander une animation différente, peut-être qu'il peut leur demander d'agir avec une approche différente, mais en ce qui concerne les titulaires, ça devrait être cela. Donc ce qu'il y a de plus captivant, entre guillemets, ça va être sur la base des 6. Et sur cette base de 6, bah là, les options... Franchement, il y en a quand même pas mal, parce que nous, on est parti effectivement sur ces 6-là, donc avec Davis qui reprendrait son poste à gauche, avec Alaba qui viendrait avec Boateng faire la charnière dans la mesure où Süle est forfait, Hernandez est incertain, et Pavard qui resterait à droite, même si ça peut être aussi une option pour glisser dans l'axe. Maintenant, là où il y a aussi un gros point d'interrogation, c'est sur ce poste de deuxième milieu de terrain. Parce qu'on nous dit Moussiala. On nous parlait de Moussiala, mais il n'est pas vraiment dans ce registre-là. Le truc, c'est que Moussiala... Moussiala passe de Martinez, je vois difficilement un double pivot Kimmich-Moussiala, mais pourquoi pas. Mais je vois plus Moussiala... Il y a deux buts à aller chercher, mais est-ce que c'est très équilibré? Mais de toute façon, ils vivront dans un déséquilibre forcément qui est naturel, que tu passes avec Martinez ou avec Moussiala, tu seras dans ce déséquilibre-là. Mais je me dis, de voir Kimmich plus Moussiala plus Müller comme ça dans le milieu de terrain... Tout en sachant qu'il sait très bien qu'en face, il y a le retour quand même très très probable de Verratti. Donc ça te fait un milieu un petit peu plus fourni en termes de possession de balle. Je doute qu'il mette Moussiala, même si moi je l'aurais mis. Mais t'as pas la même aspiration. Après, il y a aussi l'option qui existe, elle est un peu hypothétique, mais de mettre Pavard en défense centrale, de remonter à là-bas au milieu de terrain pour faire la paire avec Kimmich et de faire rentrer à droite, Bounassar. Tant qu'on explore Müller en 9, je pense pas. Et puis Choupo-Moting a quand même globalement répondu aux attentes, hein, que ce soit sur le match de Leipzig ou sur le match de Paris, il répond présent. Maintenant, c'est vrai que on peut imaginer que ce deuxième joueur aux côtés de Kimmich, il te donnera aussi une indication sur comment le Bayern a digéré ce match aller, parce que il y a un état de fait, c'est le Bayern doit marquer, a priori, deux fois au Parc des Princes pour espérer se qualifier. Donc, est-ce que tu vas miser à fond sur ce déséquilibre assumé qui t'est revenu comme une porte dans la tronche contre le PSG et que tu vas remettre un Moussiala qui va être plutôt un atout dans une équipe qui devra trouver des ouvertures, faire des décalages, jouer territorialement dans le camp du PSG? Ou est-ce que tu vas avoir une posture un petit peu plus, entre guillemets, craintive et opter pour un Martinez qui a plus l'âme d'un défenseur, qui va avoir tendance plutôt à regarder derrière lui que devant lui? Ça va dépendre aussi de la façon dont Flick aura analysé ce match aller. Et ça, c'est assez difficile à déceler, parce que le Bayern, c'est quand même une équipe qui vit dans une espèce de péché d'orgueil un peu permanent.
Et moi, je les imagine mal se renier et y aller avec une posture craintive en se disant « Bon, on s'est fait transpercer à l'aller, donc là, on va mettre, alors qu'on doit courir après le score, un défensif en plus. » On vous pose la question, vous, sur le chat. Les Winamis, premier sondage de la soirée. Le Bayern décimé, est-ce que pour vous, c'est mission impossible de remonter ce score face au Paris Saint-Germain? Vous répondez oui, vous répondez non. Comme ça, on prend un peu la température. Le Bayern décimé, est-ce que c'est mission impossible? Selon vous, vous répondez oui ou non, Sofiane, par rapport. Non, ce que je voulais dire, c'est par rapport au format du match et quel que soit. Partons, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. Partons sur cette approche. Quelle approche doit avoir le Bayern Munich? Est-ce qu'on part sur la même. Ils ne se poseront pas la question parce qu'ils font ça depuis le début de saison. Je pense qu'ils ne se demandent même pas quelle approche ils vont. Je pense que si la question existe, elle est de l'autre côté, plutôt, du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on assume le ping-pong comme ils l'ont fait au match aller? Est-ce qu'ils peuvent prendre le risque de repartir sur un match comme ça? Soit ils assument totalement le ping-pong, parce que, attends, il y a un truc très clair par rapport au match aller, ils étaient dépassés, on est d'accord. Mais ils ont quand même assumé, parce que certaines phases de possession de balle du Paris Saint-Germain, parfois ils pouvaient calmer, non, ils envoyaient tout de suite. Donc ils ont assumé de A à Z le ping-pong. Donc s'il y a la question qui se pose, elle est plus du côté Paris. Du côté Bayern, quelle que soit la composition d'équipe, tu auras le même format de match qu'à l'aller. Ils vont faire exactement la même chose. Ils mettront 7 joueurs devant le ballon, ils vont te faire la machine à centre, ils vont te faire les vagues régulières, et ça va se passer comme ça. Pourquoi on aura le même match aller, le même match qu'au match aller? C'est parce qu'au final, ce qui s'est passé au match aller, il légitime les deux plans. Parce que d'un côté, tu as le Paris Saint-Germain qui a eu son plan légitimé par le score, mais pas que, parce qu'ils sont quand même, comme tu disais, Tidiane, les trois buts, ils ne sont pas non plus tombés du ciel. Même si globalement, le match est une forme de miracle, ils sont quand même allés toucher le miracle au maximum. Il faut aller chercher la réussite. Et, ça légitime aussi le plan du Bayern, parce que même défaite, il y a plus de 30 tirs. Et même défaite, je pense que tu le joues 10 fois, tu le gagnes 8. Donc, on verra le même match. Et je pense, moi, aujourd'hui, attendons de voir, parce que tu vois, avec toutes les incertitudes, les blessures, même on a été surpris, nous, à quelques jours du match, de voir Gnabry absent, etc. Donc il faut attendre. Mais là, aujourd'hui, vendredi, je donne encore une chance très forte au Bayern de passer par rapport à ce que j'ai vu. Il y a notre ami sur YouTube, alors le pseudo, je ne peux pas le dire, mais Marquinhos, on sait s'il revient, ça va être compliqué. Non, Marquinhos, très probable que non. Pour lui, Kimmich, je ne sais pas. D'où viennent ces rumeurs de Kimmich suspendu? D'incertitude? Non, de suspendu. Non, parce qu'il a pris un carton jaune pendant le match, mais il n'était pas sous la menace. Il sera là, mais juste aujourd'hui, il n'était pas à l'entraînement avec douleur Lucas. Douleur abdominale. Petite douleur. Voilà, ouais. Voilà. Donc il faut attendre un peu. Non, mais il faut se méfier, parce que Gnabry, au début, il avait mal au ventre. Mal à la gorge, oui, exactement. Si Kimmich est déclaré positif d'ici là, parce que ça fait partie de Là, évidemment. Confirme, hein, Là, pour le coup, clin d'œil amical à Walid Acherchour, ce serait une perte du niveau de celle de Lewandowski. Et Goretzka aussi, absent. Je ne sais pas si on l'a précisé. Pas sûr encore. Flick a dit en conf, c'était pas à 100%. Mais quoi qu'il en soit, c'est le seul à 100% où on sait qu'il sera pas là, avec Lewandowski, Gnabry. Mais quoi qu'il en soit, c'est un match de fou, quoi. Moi, là où je suis d'accord, c'est que le Bayern ne va pas changer sa façon de jouer, parce que ils sont dans ce déséquilibre assumé, et que encore une fois, je pense qu'avec en plus cette culture qu'il y a dans ce club, un petit peu d'aller au bout, d'avoir cette espèce de force intérieure. Si tu prends les déclarations d'après-match, que ce soit Müller ou Coman notamment, on a des joueurs qui sont abattus, mais pas défaitistes. C'est-à-dire qu'ils sont abattus parce qu'ils ont eu l'impression de voir les planètes s'aligner absolument défavorablement en leur défaveur à tous les niveaux. Mais d'un autre côté, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre pendant ce match, et que grosso modo, ils partaient du principe qu'ils avaient encore toute leur chance par rapport au match retour. Donc moi, je ne peux pas imaginer une machine du calibre du Bayern tout d'un coup commencer à vouloir tout remettre en question parce qu'il va manquer... Même si c'est 2-3 joueurs importants, ils ont une certaine profondeur qui leur permet d'utiliser des circuits. Je veux dire, le circuit de Kimmich qui t'envoie le ballon à droite, à gauche, des ailiers qui vont te mettre le feu, etc. Là où ça va changer, c'est dans leur tiers défensif. La cote du PSG est haute, je mise tout dessus. C'est quoi les qualifs? Moi, c'est plutôt la qualif qui m'intéresse. Moi, je vois la cote de Paris à 3-10, elle est quand même pas des. Mais attention, faut pas se tromper. La qualif, le Bayern Munich est à 3,15. 81% de nos parieurs ont misé sur le Bayern. C'est pour un timbré, mais comme je reste dans ma théorie, c'est même pas une théorie, c'est... Le Bayern est meilleur sur l'aller, on est d'accord ou pas, globalement? Dans le jeu. Ok.
dans le jeu. Oui, enfin, si, ok. Si quelqu'un dit l'inverse, est-ce que le 3-2 par rapport à la production des deux équipes est un score qui ne reflète pas ce qu'on a vu? Bayern doit s'imposer avec deux buts d'écart au Parc des Princes. Je m'en fiche. Je pense qu'ils sont capables d'en mettre. Je pense qu'ils sont capables d'en mettre 4, si tu veux. Tu vois, dans l'idée. Mais d'en prendre combien? Oui, voilà. D'accord, peut-être. Après, mais puisqu'on joue un match ping-pong, puisqu'on joue une forme de match ping-pong, mais est-ce qu'on l'aura ce match ping-pong au retour? Moi, je pense qu'on l'aura. Je suis pas persuadé. Je pense qu'on l'aura. Et je trouve que la cote de la qualif, et encore une fois, rien contre Paris, c'est très bien le match aller. Je pense que le Bayern, ils vont aller tout le temps dans la cale, machin. On risque de s'en reprendre des banderies. Moi, je pense que c'est leur ADN et que ce sera le cas. Moi, je les imagine mal faire différemment. Après, et c'est vrai que tu as raison de l'évoquer, Thomas, ce point. On n'a peut-être pas assez insisté sur la dureté de ce match. Quand je te parle de dureté, c'est dans les têtes du Bayern. Moi, je te parle de dureté athlétique, parce que. Ouais, aussi, mais je pense. Alors, déjà, t'as vu les mecs tomber comme des mouches pendant le match, des deux côtés. Coman après le match. Ouais, non, mais attends, c'est pour ça que. Ouais, mais Coman, moi, quand je l'écoute après le match, en gros, il dit. Franchement, on conserve toutes nos chances en vue du match. Oui, mais en gros, il a pris une bonne tarte dans la gueule. Non, mais il a pris vraiment pas à perdre. Sors d'un match où t'as tiré 30 fois et t'as perdu. Moi, j'ai l'impression que le Bayern n'a pas perdu la foi en son jeu. Par contre, là où ils ont perdu, c'est par rapport aux cartouches qu'ils ont d'un point de vue athlétique. Ils ont pris conscience que Lewandowski n'est pas là. C'est un match où les deux équipes, elles ont couru 108 km bloc équipe chacune. Ils ont perdu, ils ont vu des joueurs tomber physiquement. Et puis, on n'a peut-être pas assez insisté encore une fois là-dessus, mais ce contexte avec ce temps très froid, pour les corps, ça va être difficile. Là, on enchaîne demain pour les deux équipes avec un match à jouer. Tu vois, je veux dire, il va falloir aussi voir comment, sur le moyen terme, les organismes vont être capables de digérer ces matchs-là. Mmh. Moi, je ne suis pas convaincu que l'une ou l'autre équipe arrivera complètement fraîche avant ce match retour. On verra. La compo alignée par Hansi Flick. 82% de nos Winamis pensent que ce n'est pas mission impossible pour le Bayern. Il n'y a qu'un but d'écart. Hein. Mardi, oui, mais il en faut deux du coup. Mardi, face au Paris Saint-Germain pour se qualifier. Les amis, mettez un maximum de pouces et de likes pour tous ceux qui sont sur les différents chats. Continuez à bombarder les likes. On est très satisfaits. Surtout des likes sur ces dernières émissions. Bien, on continue à envoyer du pouce, à nous donner de la force. On va terminer ce point Paris-Bayern avec un code killer et un my match. Le code killer, alors le premier, la mise est toute petite. C'est parce que la cote était sympa. On va vous mettre ça à l'écran. C'est notre un ami, enfin je sais pas comment il s'appelle, qui nous a mis Martin. Ouais, j'étais surpris par ta proposition, mais c'est vrai que la cote est assez incroyable. Alors, est-ce qu'on peut nous l'afficher, le code killer en régie? La machine ne répond plus. On nous dit. D'accord, et ben écoute, ne répond plus la machine. Voilà. C'est une cote à 46. Une cote à 46 de Marquinhos. Et son équipe gagne. Alors, est-ce que juste qu'on peut me dire si on peut continuer tout de même l'émission et partir du. On va enlever les cotes. Juste si on peut. Moi, j'aimerais juste qu'on me parle. Juste qu'on me parle. D'accord. Eh ben, mais ok, c'est super. Ce qu'on va faire, on va arrêter l'émission parce qu'on ne peut plus rien faire. Ah ouais, c'est vrai. La machine est plantée. Donc on vous donne rendez-vous, les amis. On est désolé de vous laisser comme ça, mais on a un petit problème technique en régie. On va devoir vous abandonner. Le jour du communiqué. Et le jour du communiqué. Mais ça sera repoussé. Est-ce un hasard? Ça sera repoussé. Je ne sais pas. C'est pas grave. Ouais. On vous donne rendez-vous demain. La machine devrait être réparée. Dans le Winamax FC à 20h15 pour vivre ensemble. Ça va être du lourd. Le classico. Voilà. Désolé pour cette fin écourtée. Pas de Cop Winamax, rien du tout. Mais on vous retrouve demain à 20h15 dans le Cop Winamax. Ciao, ciao. Au revoir. Attends encore là.